Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets sur Final Fantasy VI. On s'attaque aux objets de Kollingen et une petite cabine, vous allez voir au nord, qui nous offrira un accessoire supplémentaire. Alors lorsque vous allez prendre le château de Figaro Sud pour vous déplacer au-delà des montagnes, vous allez vous retrouver ici et donc Kollingen se trouve juste au nord-ouest de ce village. Alors ici, n'oubliez pas de faire pas mal de combats sur la world map pour choper un petit peu plus de bestiaire. Et donc, dans Kollingen, vous n'aurez que deux objets à récupérer. Donc, ça va aller très vite. Regardez, on va passer à côté de cette petite maison, traverser ce pont. Et vous allez aller, regardez, juste là, là. Et vous allez descendre pour arriver par la porte arrière dans cette maison. Et ici, vous avez un béret vert. N'oubliez pas, une pièce d'équipement de tête, enfin un home en gros, qui va vous offrir 12,5% de HP maximum en plus, ce qui est relativement intéressant. Et donc, vous allez ensuite vous rendre dans la maison tout au nord-ouest, la maison de Rachel. Alors, attention, background, je crois, ici, je sais pas si... Ah, si, je peux le passer. Vous avez ici un élixir. Voilà. Donc, deux objets supplémentaires relativement intéressants. Donc normalement ça enclenche une scène supplémentaire, mais ici ça ne l'a pas fait, tant mieux, parce que j'aurais pas voulu vous spoiler tout de suite ce genre de choses. Et donc on va se diriger ensuite au nord, vous voyez, vers la cabine. Un endroit relativement intéressant plus tard, donc retenez sa position, c'est très très important. Hein, vous voyez la petite cabine qui se trouve à gauche ici, voilà, qui est toute seule. Cet endroit est très important par la suite, donc mémorisez-le. Et ici, vous aurez, donc dans le petit pot juste là, une bague de héros. Alors, on va voir tout de suite à quoi ça correspond. Dans les accessoires, alors la bague de héros, je commence à avoir tellement d'accessoires et j'ai du mal à m'y retrouver. La bague de héros, elle augmente la puissance des attaques physiques et magiques. Voilà, très pratique. Et à mettre, je pense, sur Céleste, puisque c'est elle qui utilise la magie pour l'instant. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo d'objets sur FF6. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle sur ce magnifique et légendaire jeu de la Super NES. Allez, à toutes.